Dieu qui est capable de bénir tout un peuple. Et la Bible dit celui qui ne l'était pas au désert, à Canaan, parce qu'il y a un programme pour nous. Et ce matin, ce Dieu a un programme. Il est vivant. Il n'a pas changé. Yeah.
fais grâce d'avoir un illustre serviteur de Dieu ce matin pour nous parler de la part de Dieu. Amen. Vous savez, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une affaire d'orgueil. Ce n'est pas une affaire de qualité intellectuelle. C'est une affaire d'un appel. Alléluia. Amen. Dieu peut appeler quelqu'un qui n'a même pas fait celle d'eux pour commander des personnes qui sont directeurs. Parce que le monde spirituel, il est plus fort que toi. Amen. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est une grâce. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un parle bon français qu'il peut être bon pasteur. Tu peux même avoir tous les diplômes du monde et puis jouer dans le domaine pastoral. Parce que ce n'est pas le fait de 1 plus 1 égale à 4. C'est une affaire que Dieu t'a oint. Et quand Dieu t'a oint, il te donne les qualités qu'il faut pour que tu sois une source de bénédiction. Personne n'a le don de guérir les malades. Dieu nous utilise pour, comme un canal pour afin que les malades soient guéris. Personne n'a le don de ressusciter les morts. Dieu nous utilise comme un canal pour que les morts ressuscitent. Personne n'a le don de prophétiser. Dieu nous utilise pour que le don de prophétie passe à nous. Parce que tu as dit, au lieu de prophétiser, ce n'est pas une volonté humaine. C'est une grâce de Dieu. Amen. Si tu n'as pas compris cela, tu as commencé à te perdre lorsque Dieu va commencer à t'utiliser. C'est pourquoi personne ne peut dire aujourd'hui, quand il est venu à l'église, il va avoir des guérisons. Jamais. Tu peux venir, mais même mouche ne va pas bouger. Parce que c'est une appel, c'est une grâce de Dieu. Ce mystère appartient à Dieu. Amen. Et dans le plan de Dieu, Dieu fait grâce à qui veut. Et dans la vision de l'œuvre de Dieu, il faut que tu acceptes que Dieu utilise ton frère et utilise ta sœur. Ce qui fait un problème dans le christianisme, vous savez, le seul problème dans le christianisme, c'est que nous voulons nous permettre d'être à la place de Dieu. Un bon matin, j'appelle Rémi pour venir prêcher ici. Les gens disent Rémi, elle ne le connaît. Il ne peut pas prêcher. Vous l'invitez, il dit qui m'aime pas venir prêcher ici. Ce n'est pas tant. Ce n'est même pas toi qui dois juger ça. Amen. 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 Écoutez-moi bien. Parce que c'est une pensée de Dieu. Tu risques de poser à la volonté de Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, Jésus n'était pas sacrificateur. Dans le plan de Dieu, Jésus n'était pas sacrificateur. Jésus n'est pas sacrificateur. Mais il a brisé des barrières pour montrer que Dieu peut soit qui veut pour parler sa part. Alléluia. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ est né là, on n'a pas dit non, Jésus-Christ était de la famille des sacrificateurs ou de la famille des Lévites. Mais pourtant, Dieu l'a utilisé comme il désire. Alléluia. Donc, tout ton voisin, il peut t'utiliser. Le voisin, tu peux t'utiliser pour ma bénédiction. Amen. Amen. Vous savez, ce qui tombe les hommes de Dieu ou les fidèles, quand c'est le pasteur principal qui a répondu, non, lui, on connaît Dieu et lui. Non. Il peut venir, même Dieu va rien nous faire. Mais Dieu peut utiliser quelqu'un, petit fille va venir chanter ici, nous tous sommes là, tomber ici. Alléluia. Parce que Dieu fait grâce à qui veut. Alléluia. Amen. 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 Et nous avons la grâce d'avoir un de vos frères qui va passer ce matin pour nous bénir au nom de Jésus-Christ. Il y a des signes qui ne manquent pas. Nous qui avons la grâce de suivre là. La première fois que je l'ai mis à prêcher, il y a eu une manifestation de l'Esprit de Dieu avant qu'il ne vienne. Et quelqu'un a prophétisé ce jour-là. C'était à Koudi. On dit encore, il veut passer, Dieu a bien se manifester encore. Ça fait deux fois, nous on le tient. Alléluia. Amen. Amen. Bien qu'il ne sait pas, mais Dieu est bien sur lui. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la capacité qu'il a n'est pas ma capacité. Moi, il peut être utilisé dans le domaine de guérison, il peut être utilisé dans le domaine de révélation ou de miracle. Tu peux, en fait, tu ne peux pas jalouser quelqu'un que Dieu a donné un don. Il faut accepter. Amen. Amen. Et Dieu fait grâce qu'il vienne encore aujourd'hui, que Dieu a fait se manifester. Je veux lui dire, pense que Dieu est prêt pour toi. Alléluia. Amen. Pense qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Alléluia. Si tu te disposes, il y aura une explosion de bénédictions sur ta vie. Donc, comprends que Dieu veut faire quelque chose pour des nations, pour des personnes. Et ce que Dieu a signé pour toi n'est pas ce qu'il a signé pour moi. Chacun sa mission sur terre. Alléluia. Donc, que tu comprennes que Dieu a besoin de toi. Sans ta gloire, c'était de vous acclamer le serviteur de Dieu ce matin. Le grand serviteur de Dieu, de ce tour. Acclamons sur l'église. Alléluia. Amen.
Yeah.
aussi pour moi. C'était un choc pour moi par rapport au thème. Donc. Alors donc, le thème, comme je disais, c'est la concentration. Et le morceau qui revenait sans cesse, c'est Dépouille-moi de ce vieux manteau. Qui peut m'appeler à parler de concentration si ce n'est que quelqu'un de d'assez ordonné? Je me dis comme nos pères. Qui sommes-nous, pécheurs, vous venez parler de consécration? Et ce morceau m'a rappelé que je ne peux rien tant que je ne me confie pas au Seigneur. C'est au Seigneur de me dépouiller de ce manteau, de cette image, de ce qu'on pense avoir au sein de moi, afin qu'à travers moi, je sois le canal pour lequel aujourd'hui il va se laisser. Amen. Alors, la consécration. Qu'est-ce que c'est que la consécration? Nous allons ensemble essayer de comprendre davantage ce que c'est que la consécration. Nous allons partager ensemble quelques points des Écritures pour voir ce que le Seigneur nous dit parlant de consécration. De façon littérale, étymologique, c'est-à-dire dans le dictionnaire, la consécration, c'est simplement l'action de se vouer à quelqu'un ou à quelque chose, de se dédier, de faire exclusivement quelque chose. C'est ça, se consacrer. Quand nous prenons les termes bibliques, nous allons aller un peu plus loin pour essayer de savoir ce que c'est que la consécration dans la Bible. Dans la vie chrétienne, c'est quoi la consécration? Qu'est-ce que Dieu entend par la consécration? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Quand nous parcourons les Écritures, dans les livres de Genèse, dans les livres de Exode, de Lévitique et de Nombre, le mot consécration apparaît près de 400 fois. Il revient également dans le Nouveau Testament, mais en peu de livres. Alors donc j'ai lu ces livres pour vous faire de l'économie. Alléluia. Ok. Ah, c'est super, c'est bon. Alors donc pour vous faire l'économie de ces quatre livres que j'ai eu à lire, on va partager ensemble quelques Écritures pour essayer de comprendre où est-ce que Dieu veut aller avec nous lorsqu'il nous parle de consécration. Alors, la consécration, c'est, selon les termes bibliques, s'offrir en sacrifice pour servir Dieu. S'offrir en sacrifice pour servir Dieu. C'est également l'offrande de sa vie personnelle à Dieu. C'est se mettre à part pour honorer avec notre corps et notre vie notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est se destiner totalement à son service, donc au sacerdoce royal. Enfin, quand on parcourt toujours, on comprend que c'est l'acte par lequel une personne ou une chose est séparée pour le besoin, pour le plan, pour les desseins de Dieu. Amen. Amen. De ces notions, on peut comprendre deux choses. C'est que la consécration touche soit une chose ou la consécration touche une personne. Donc, quand la consécration touche une chose, on l'a vu dans la Bible, c'est un animal qu'on a consacré ou c'est un lieu qu'on consacre. La consécration touche une personne, donc c'est offrir sa vie en sacrifice comme tous les grands hommes de Dieu que nous avons eu à voir dans la Bible. La consécration aussi, c'est une distinction honorifique pour les hommes. Donc, lorsqu'on veut consacrer quelqu'un, on dit, ben écoute, tu as été fort dans ton domaine, on va te donner un titre, ce sera ta consécration. Mais ce qui nous maintient aujourd'hui, ce sont ces deux aspects.
Alors que nous voyons, on comprend que la consécration, c'est quoi? C'est simplement l'action de rendre sacré quelque chose pour Dieu. Amen. Alors, on prend un animal, ou que ce soit une personne, on l'a fait passer de l'étape de profane à une étape sacrée pour le service de Dieu. Et c'est ça qui est la consécration. De cette notion, je dis, ben, on entend sacré, on entend consécration. Sacré vient de sacra, saint. Qui donne nous est saint? Comment se consacrer? Comment cela peut se faire? Toutes ces questions sont venues à l'esprit. Et nous voyons que pour pouvoir vivre sa vie chrétienne, nous sommes obligés de passer par cette étape, ou du moins ce qu'on appelle la consécration. Mais comment cela se fait? Dans toutes les définitions que je vous ai données tout à l'heure, que ce soit de façon étymologique dans le dictionnaire ou dans les livres de la Bible, j'ai vu qu'il y a trois facteurs qui sont sur la route de la consécration. Les trois facteurs, il y a d'abord le facteur de la séparation. Comme je l'ai dit tantôt, c'est quelque chose, un homme ou un objet. Donc on le sépare, on le met de côté pour pouvoir lui donner un caractère sacré. Donc il y a déjà cette étape de séparation. Deuxième chose, il y a l'étape de la sanctification. C'est-à-dire, afin de séparer la chose, on la sacralise, donc on la sanctifie. Et la troisième phase, c'est vivre de façon continuelle ces étapes-là. C'est ce qu'on appelle la consécration. Amen. Nous allons encore plus loin. Dans la Bible, je vois que dans l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, Dieu a utilisé nos pères durant leur vie chrétienne pour aborder ce concept de la consécration. Comme l'apôtre Paul, comme Abraham, comme Moïse, comme Josué, comme nous-mêmes d'ailleurs, vous allez le voir, Dieu utilise notre vie, notre relation avec lui, et il nous demande la consécration. Alors, il y a quatre étapes dans la marche avec Dieu. Peu importe ce qu'on va vivre, peu importe ce qu'on va faire, je souhaiterais que vous reteniez cela, ces quatre étapes. Et je veux que vous répétiez avec moi CVPS. CVPS. Merci beaucoup. C pour commandement. V pour vision. P pour promesse. Et S pour sanctification. Amen. Retenez ça. CVPS. Dans notre marche avec Dieu, forcément, Dieu va nous faire un commandement. Il va nous donner un commandement. Il va nous montrer sa vision. Ensuite, il va nous faire les promesses. Mais tout cela, il va nous demander le S, la sanctification. Amen. Pareil pour Abraham, quand vous lisez Genèse 1 à 2, Dieu a dit à Abraham, va de la maison de ton père. Voilà le commandement. Quitte ton pays. Donc Dieu a commandé à Abraham de faire ces choses. Amen. Dieu lui donne la vision. Il fait cela pourquoi? Il quitte la maison de son père. Il abandonne tout. Il quitte le pays. C'est pourquoi? Quoi faire? Donc Dieu lui partage sa vision. La vision qui est de... partir porter le message que Dieu a voulu pour son peuple. Alors donc Dieu a donné ce commandement à Abraham
quitte la maison de ton père, quitte le pays et va. Donc Dieu lui a donné la vision de ce qu'il attendait pour Abraham. Après cette vision, Dieu lui a fait la promesse dans la version P de lui dire que je te bénirai, toi et ta postérité. Amen. Dans leur marche, Dieu a insisté sur le S. Il a dit, mais garde-toi de marcher droit et de rester intègre. Donc il lui a demandé la sanctification. Pareil pour la vie de Moïse. Moïse également, Dieu lui a fait un commandement. Dieu a dit à Moïse, quand il a appelé à lui à son service, il a dit à Moïse, commandement, va chez Pharaon. Va parler à Pharaon. Voilà le commandement qu'il a donné à Moïse. Après le commandement, dans la vision, il a dit à Moïse, tu y vas, c'est pour que je puisse délivrer mon peuple de la main des Égyptiens. Donc il a donné sa vision également à Moïse. Après le V, ce sont les promesses, il a dit à Moïse, lorsque Moïse avait peur, il dit, ne t'en fais pas, je serai avec toi. Je te dirai les choses qu'il faudra dire. Amen. Encore, pour terminer, pour le S de la sanctification, il a demandé à Moïse, garde-toi de toute souillure, soit marche devant la face de l'Éternel. Et donc ces exemples sont légion. Quand vous parlez également de la vie de Josué, vous allez voir à partir de Josué 1 jusqu'à Josué 8, ce sont les mêmes principes. Les mêmes C, V, P, S. Dieu donne son commandement. Après son commandement, il nous donne la vision. Après la vision, il nous donne la promesse. Après la promesse, il appelle toujours à notre sanctification. Amen. Amen. Et l'ensemble de ces éléments, nous les retrouverons dans les livres donc d'Exode 13, 2, d'Exode 13, 12, 28, 41, d'Exode 29, 26 et 35. Donc l'ensemble des éléments que je viens de partager avec vous sont, peuvent être vus dans ces différents livres. Cette action se poursuit toujours dans le mode CVPS avec le Nouveau Testament, avec la Nouvelle Alliance. Dieu également nous demande, à nous qui sommes ses disciples, commandement, allez-y, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur mes commandements. Donc Dieu encore là, nous a donné un ordre, nous a donné un commandement. Comme vision, simplement, il dit c'est pour le salut de l'humanité, pour le salut de l'homme, pour la gloire de Dieu. Après la vision, toujours la promesse, il nous dit, en toutes choses, jour et nuit, il sera avec nous. Et cela va gérer. Il termine encore toujours par nous rappeler, nous appeler pour nous dire, messieurs, mesdames, gardez-vous de toutes choses impures, restez dans la sanctification. Amen. Amen. Donc, on voit que ce même modèle-là, CVPS, il est partout lorsque nous faisons notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, dans notre vie chrétienne, dans notre vie où nous voulons aller à la consécration, il nous faut connaître ces principes. Il nous faut appliquer ces principes parce que c'est ce que Dieu attend pour nous. Amen. Mais on va se demander, la consécration telle qu'elle est faite, c'est pour sanctifier quelqu'un, c'est pour vraiment une vie étroite, comme on peut le dire, une vie réglementée, une vie de peur. Mais pourquoi est-ce que
je dois faire la sanctification. Je ne suis pas obligé. Je peux me détourner, je peux me dérober, je peux me cacher. Mais laissez-moi vous dire que la parole de Dieu est claire à ce sujet. Nous devons simplement comprendre que nous ne nous appartenons pas. Notre corps est le temple de Dieu. Nous appartenons à Dieu. C'est Dieu lui-même qui a payé le prix pour nous. Si tu comprends que tu ne t'appartiens pas, quelqu'un t'a déjà acheté, tu n'as pas de commandement à faire. Tu dois suivre ses préceptes. Tu dois suivre ses principes. Tu dois suivre sa vision. Tu dois suivre ses directives. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est pourquoi il nous dit et nous rassure qu'il est avec nous pour nous accompagner dans cette marche. Il nous dit qu'il a déjà fait le plus dur. L'or et l'argent n'ont plus de valeur, n'ont plus de coût pour nous. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous lui donnons notre vie. Amen. C'est le pourquoi nous devons vivre cette vie de consécration. Et ce qui est important dans la parole de Dieu, c'est qu'on ne fait pas la vie de consécration par plaisir. Non, c'est vrai, on appartient à Dieu. On reconnaît que de toi, nous lui appartenons. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous venons à lui par choix. Et non par toi. Oui. On ne vient pas être reconnaissant parce que la personne m'a fait ceci. Non. Ou bien parce que je lui dois cela. Non. La reconnaissance est un signe d'amour. C'est un choix. Je choisis d'être reconnaissant ou pas. On m'a donné une phrase, mais soit je dis merci ou pas. Je suis parti. Mais faire ce choix de la reconnaissance, c'est comprendre que quelqu'un m'a aimé, quelqu'un a fait quelque chose pour moi et que moi aussi en retour je l'aime. C'est pourquoi je dis ici, Dieu n'a pas besoin de nous parce que c'est un droit, mais ce qu'il attend de nous, c'est notre choix. Amen. Nous continuons toujours dans les Écritures. Et aujourd'hui, dans Matthieu 28, il y a eu l'exhortation de qui dit, je vous exhorte donc, mes frères et sœurs, à chercher à offrir vos corps en sacrifice à l'Éternel, qui doit être de façon naturelle, parce que vous lui appartenez naturellement, comme on a dit, mais que vous faites cela aussi par amour. Donc Dieu, comme je disais, a besoin de notre amour, a besoin de ce que nous allons faire son service par amour, et non par contrainte, non par suivi, non par communauté familiale. Non, ce qu'il a besoin, c'est notre amour. Amen. Et lorsque nous continuons dans la consécration, on se rend compte que, ben oui, je viens au Père par amour, comme je disais, oui, c'est vrai que j'ai le droit, ma vie lui appartient, il m'a fait toutes ces bénédictions, oui, je l'aime, je viens, mais c'est difficile de marcher une vie de consécration. Je peux tomber, je peux pécher. Est-ce que je suis toujours dans la bonne voie? Est-ce que je suis dans la bonne directive? Il nous rappelle encore que nous sommes tous nés pécheurs. Ce dont il a besoin, c'est des nouvelles personnes, des personnes vivantes de mort. Quand j'ai lu, je ne comprenais pas. Pourquoi vivantes de mort? Vivantes de mort vous dit qu'il faut accepter d'avoir été mort à la croix avec le Christ, d'être ressuscité avec le Christ, et d'être vivant aujourd'hui, d'être une nouvelle personne. Amen. Et donc ce que Dieu veut, ce n'est pas notre ancienne personne, mais c'est nous aujourd'hui vivants avec le Christ. Il continue pour me dire que, regarde, c'est comme ça que Jésus lui-même il est venu travailler selon la volonté du Père. Donc il a travaillé car le Père était en lui, et lui il a pu travailler également pour l'humanité. C'est comme ça, nous aussi, dans notre marche, on ne peut pas y arriver seul. On a besoin de quoi? De l'appui de Christ, de l'appui de Dieu, pour que lui, en nous, ce soit comme le Père qui travaille, et que nous aussi, les enfants, puissions travailler selon sa vision. Amen.
Ce thème est très passionnant et j'avoue que j'ai découvert beaucoup, beaucoup de petits secrets. Je me permettrai de partager quelques-uns avec vous. Alors, quels sont les bienfaits aujourd'hui de la sanctification? On a vu le comment vivre une vie de sanctification, quel était le but, pourquoi je devais me consacrer. Mais aujourd'hui, on va chercher quels sont les bienfaits de la consécration. Déjà, quand vous connaissez les étapes, quand vous commencez ce que la consécration demande, séparation, sanctification à l'autre, vous comprenez tout de suite aisément les bienfaits de se consacrer à Dieu. Première des choses, ça renforce notre intimité, notre communion avec notre Dieu le Père. Amen. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Le Seigneur nous a dit, je vais prier sans cesse, simplement parce qu'il veut que nous nous rapprochions de lui. Souvenez-vous que si nous sommes sur cette terre, nous sommes venus pour un but bien précis. C'est le Seigneur qui nous a envoyés. Comme je disais tantôt, nous ne nous appartenons pas. C'est lui qui nous a mis dans un plan dans lequel il nous a envoyés. Dans la définition de la consécration, on dit c'est se donner à Dieu pour faire sa volonté. Donc, je n'ai pas de volonté. Je dois faire la volonté de Dieu. Mais pour faire sa volonté, il faut que je l'écoute. Il faut que je me rapproche de lui. Il faut que je mange avec lui. Il faut que je partage avec lui. Il faut que mon intimité et ma collaboration avec lui soient fortes. C'est en ce sens que je comprendrai quelle est la vision qu'il veut me donner. C'est en ce sens que je comprendrai les promesses qui sont accompagnées à cette vision. C'est en ce sens que ma vie de sanctification, ma vie de consécration va se renforcer davantage. Alors, le premier bienfait, c'est ça, renforcer notre communauté, notre communion avec Dieu, notre Père. Deuxième avantage de la consécration, c'est de nous donner d'être victorieux dans toutes les épreuves. Amen. Comme l'apôtre disait, personne n'a cette force, cette capacité de le faire. C'est Dieu qui passe à travers nous pour faire. C'est par Dieu que, par imposition des mains, nous guérissons. Donc simplement, c'est parce que nous restons consacrés, c'est parce que nous restons sanctifiés, c'est parce que nous restons à son écoute que Dieu nous utilise comme canal pour accomplir les miracles dans la vie de chacun. Amen. Amen. Donc c'est très important parce que cette consécration nous donne la victoire dans toutes les épreuves. Amen. Dernier bienfait de la consécration, c'est au moins de comprendre de façon claire et nette notre but sur cette terre. Amen. Si on ne se rapproche pas de celui qui nous a envoyé, de celui qui nous a créé, de celui qui nous a disposé dans ce monde, comment vous voulez avoir une vision claire de ce qu'il veut que vous fassiez? Non. On sera tous errants, on cherche ici à ça. Bon, qu'est-ce que je dois faire comme activité? Qu'est-ce que je dois faire comme programme? Qui je dois aller voir? Comme si, c'est qu'on marche de façon errante, sans savoir véritablement où on va. Alors que nous devons prendre comme guide notre Père. Seigneur mon Dieu, tu m'as envoyé là. Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Qui je dois contacter? Quelles sont mes capacités? Qu'est-ce que tu attends de moi? Montre-moi le chemin. Alléluia. Amen. Et cette vie de consécration nous donnera la vision claire de Dieu pour nous-mêmes. Et il a dit dans sa parole, car ne vous ai-je pas dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et tout le reste vous sera accordé. Cherche d'abord la vision que Dieu a pour toi. Cherche d'abord cette intimité que Dieu veut avec toi. Tout le reste te sera accordé. Si tu n'as pas ça, tu es en train de te promener. Tu es en train d'essayer partout. Tu dis, moi, attends, j'essaie ça. Tu t'aspires, tu fatigues ton énergie. Tu te connectes au Père, il te montre le bon chemin. Tu te connectes au Père, il te montre la direction. Tu te connectes au Père, il te montre, voilà ce que je veux. Et c'est ça la montagne de l'éducation. Frères et sœurs, c'est vraiment pas facile, comme je disais. Mais il faut qu'on y aille. Il faut qu'on
le fasse. Sinon, nous allons être errants, se promenant, ne sachant pas où partir. Il faut que nous nous attachions à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que ma parole ne s'écarte de ta bouche, qu'elle soit comme une lampe à tes pieds. Donc, nous devons avoir la parole de Dieu avec nous, constamment la méditer, jour et nuit, pour pouvoir percer ce mystère, pour pouvoir percer ce tableau qu'il a voulu, pour pouvoir comprendre véritablement ce qu'il attend de nous et exceller dans le travail qu'il attend, afin que votre Père lui-même soit heureux de dire oui, c'est mon fils. Oui, il travaille pour moi. Oui, je suis content de lui. Et que toute grâce et bénédiction attendue soit donnée. Amen. Alors, après les bienfaits de la consécration, ce dernier point, vu l'heure, comme j'ai dit, je ne peux pas tout partager avec vous, tous ces petits secrets que j'ai découverts. Après avoir connu les bienfaits de la consécration, ce qui va nous rester aujourd'hui de savoir, de comprendre, c'est de façon personnelle les intentions que je veux donner à chacun d'entre nous, à vous, à moi. Comme je disais, j'ai dit, mais est-ce que ce thème, c'est parce qu'on m'a choisi pour faire ça? Parce que quand je me dégage, je ne me sens pas propre pour venir parler des sacrés. Mais Dieu m'a dit, c'est petit, ma personne d'épreuve. Nous sommes tous chrétiens. Chacun son péché, personne n'est en mieux. Mais c'est purement la grâce de Dieu sur nous qui nous sauve. Il n'est pas interdit de tomber. La Bible dit, même le juste tombe. Même cette fois, Dieu nous délivrera. On peut tomber dans notre vie de consécration, dans notre marche avec Dieu. Mais c'est le même Père qui nous relèvera. Amen. Si on court pour ouvrir sa porte, si on court pour dire Seigneur, pardon, on se repent sincèrement de ce que nous avons fait et nous prend toujours à bras ouverts. Cette vie de consécration, quand nous allons plus loin, nous comprenons que c'est le fameux mot que j'ai, c'est une quête personnelle. Personne ne peut faire la consécration pour toi. Ce n'est pas la prière du Père qui fera ta consécration. Ce n'est pas la prière de tes frères et sœurs qui feront ta consécration. C'est une démarche personnelle. Volontaire. Continuelle. Pour ne pas dire perpétuelle. C'est facile d'acheter l'animal pour le placer, ça c'est facile.
L'animal a tout fait en Dieu, on est bon. Et puis on est allé de l'autre côté. Dieu, on ne l'a pas fait. Il dit, c'est bien. Il dit, mais maintenant, là, ce que je veux, c'est toi-même. Il faut monter sur le bûcher. Il faut serrer ta vie. Il faut regarder tes envies, tu as envie, tu ne peux pas. Il faut regarder les dispositions du monde auxquelles tu ne dois plus te conformer. Mais tu vas te conformer à ma parole. Chaque marche que tu vas faire, chaque sang qui coule, chaque rétention de tes plaisirs, c'est ça le parfum qui monte à lui pour le parfum de l'âme. C'est ce que Dieu nous demande dans la consécration. Alors, votre petit secret, en lisant encore au parlant de sacrifice, j'ai vu qu'il y a une différence que Dieu a fait dans la Bible entre un sacrifice et holocauste. J'ai cherché, c'est quoi? Les deux sont des offrandes. Mais j'ai vu que le sacrifice, il a un caractère soit expiatoire, on a fait un péché, on demande pardon, ou bien juste un petit remerciement. Mais à chaque fois que la Bible fait mention d'holocauste, et je dis on va aller chercher, l'holocauste suppose un acte volontaire d'abord. C'est-à-dire on ne t'a pas demandé, tu ne recherches pas quelque chose. C'est de façon volontaire que tu offres quelque chose à l'Éternel. Donc c'est une offrande volontaire. Donc qui a tout notre cœur, où on y a mis tous les sentiments, où on a dit à Dieu merci pour tout ce que tu as fait. C'est dans ce sens que Noé, lorsque Dieu l'a sauvé de l'arche, dès qu'il est sorti, qu'il a mis pied à terre, la Bible dit qu'il a fait l'holocauste avec tous les animaux purs et les oiseaux purs. C'est comme ça le roi Salomon, on dit qu'il a fait plus de 1000 holocaustes à Cabaon après la victoire de l'armée. C'est comme ça également dans les juges. Vous voyez qu'on dit toutes les personnes qui étaient disposées de cœur ont fait des holocaustes. Donc ce que le Seigneur veut, c'est que nous-mêmes nous soyons l'holocauste. Et non un sacrifice. Le mouton l'a obligé, on te jette. Toi-même, ton holocauste, ça veut dire qu'il y a ta volonté dedans. Toi-même, tu as donné ton corps avec plaisir que Dieu soit fier. Je te demande pardon car je reconnais que ma vie n'est pas pure. Je reconnais que ma vie est une vie de péché. Mais ce que je voudrais aujourd'hui, c'est de te confier, Seigneur, ma vie, afin que tu sois celui-là même qui prenne possession de moi. J'ai compris aujourd'hui que je t'appartiens. J'ai compris aujourd'hui que j'ai payé le prix, que va payer le prix pour ma vie. J'ai compris aujourd'hui que, Seigneur, c'est ton amour qui a transcendé dans ma vie. C'est pourquoi, Père, je t'implore de demeurer avec moi. Je t'implore de marcher avec moi. Je t'implore de me conduire dans tous les sens, Seigneur. Cette vie de consécration, Seigneur, est une vie remplie de peu. Mais avec toi, Seigneur, nous triompherons. Avec toi, Seigneur, nous serons vainqueurs. Avec toi, Seigneur, nous serons gagnants, Père. Je te prie, Seigneur, de ne point te détourner de moi. Je te prie, Père, de ne point te détourner de ma face. Je te prie, Père, de ne pas regarder dans mes fautes. Je te prie, Père, de ne pas regarder dans mes péchés. Je te prie, Père, de pouvoir me secourir, de que toute la gloire te soit accordée, Seigneur. Permets-moi d'être fort, Seigneur, dans les situations. Permets-moi d'être fort. Permets-moi d'être fort dans les situations. Permets-moi d'être fort dans les situations. Et que je fasse ta gloire. Et que je fasse ta vision. Et que je fasse ta vie. Et que je fasse ta grâce. Et que je fasse le jeu de toi. Que toute la gloire te soit accordée. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci Seigneur pour la parole. Alléluia. Amen. Alors, on va terminer de façon simple pour que nous comprenions ensemble ce que c'est que la consécration. La consécration, c'est simplement regarder mon frère, regarder ma soeur,
comme je regarderais moi-même mon propre enfant, comme je regarderais ma femme, comme je regarderais ma mère, avoir ce même comportement avec un frère ou une sœur. Comme la Bible nous dit, c'est se détacher, c'est se séparer, se mettre à part pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est son église, c'est sa communauté, c'est mon frère, c'est ma sœur, parce que Dieu est en chacun de nous. Vivre cette vie de consécration, c'est toujours continuellement essayer de nous rapprocher du bien. Personne n'est venu servir Dieu avec des qualités. Vraiment, amen. On est venu servir Dieu avec des défauts. Amen. Et au fur et à mesure, Dieu les perfectionne au nom de Jésus. Amen. Et moi, j'ai appris ça dans l'œuvre de Dieu. C'est pas ceux qui sont trop zélés qui aiment dire aux gens, non, on est les plus saints qui est dégâté au paradis. Amen. Nous sommes sanctifiés par la grâce de Dieu. Amen. Nous vivons la consécration par la grâce de Dieu. Amen. C'est pas quelqu'un qui va dire, je suis fort, je peux résister à tout. Attention. Amen. C'est Dieu qui t'aide à résister au nom de Jésus. Et aujourd'hui, ce thème-là est un message que nous a donné à nous tous, mais à lui-même aussi. Amen. Quand tu prêches, tu as l'impression que tu parles aux autres, mais tu te parles, hein. Pendant même que tu as fait prêcher, Dieu te parle. L'Esprit de Dieu parle à ton esprit, parle à ta pensée, parle à ton cœur. Et comme tu es tourné, du moment que tu veux changer, Dieu te dit ça. Amen. Il faut être à l'application pour savoir cela. Amen. 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 Et comme il a dit, c'est quelqu'un que Dieu veut utiliser pour soi. Amen. Et puis il prend ça au sérieux. Amen. Amen. Parce que l'appel là, c'est un don, c'est une grâce. Il a dit que nous sommes en mission sur terre. Et dans sa prédication, il a dit que lorsque tu es dans la volonté de Dieu, tu n'es plus errant. Tu cherches à faire ce que Dieu veut. Et ça te procure une sécurité, une paix, une tranquillité. Amen. Et ton énergie n'est pas gaspillée. Amen. Peut-être essence, ça c'est 20 litres. Tu tentes de promener alors que Dieu te dit d'aller à Boaké. Tu es allé te promener dans toi à l'idée là. Tu es allé, tu es arrivé à zone noire, l'essence est finie. Or, c'est toi qui as gaspillé. Donc, quand tu vis une vie de consécration, la longévité est attachée à ta vie. Amen. Une vie de consécration t'empêche de tomber dans plusieurs maladies bizarres. Amen. Une vie de consécration permet aussi d'avoir une beauté naturelle. Amen. Parce que quand tu vis une vie de consécration, ta beauté est préservée. Et ta joie est préservée. Et tu es vraiment en sécurité. Alléluia. Amen. Et c'est pas quand tu vis une vie de consécration, tu apportes aussi la bénédiction à ta famille. Amen. Parce que tu ne gaspilles pas la bénédiction qui vient à la maison. Amen. C'est pas des fois on a des bénédictions qu'on reçoit, mais tellement on est errant là, on s'en gaspille ça dehors. On peut construire deux maisons et ça. On a donné des voitures à des gens qui ont oublié. On a donné dans le bois de nuit, ça, c'est fini. Le dit d'accord, le dit demain, t'as fait plus. Alors que tes parents, tes enfants vont te bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, Madame Otto, viens, on adore ce Noël. Mais son mari l'a bien saisi. Amen. Non, c'est ma fille, il a géré. Amen. Gloire à Dieu. Et si nous voulons prôner le service de Dieu en famille, normalement, c'est elle qui vient diriger, mais comme elle était malade, il a laissé. Donc, ceux qui sont mariés, qui viennent dans la prédication,
ça sera une prédication de couple. Alléluia. C'est-à-dire que tu mettras ta femme aussi dans le service parce que c'est important de servir Dieu ensemble. Alléluia. Amen. Vous savez, nous tous, on est en train d'écouter la prédication, mais le plus grand intercesseur, c'est ta femme. Parce que s'il a tapé poteau là, la honte est sur la maison. Nous, on a fait des prêches, la honte est sur la maison. Donc, en vérité, sa femme priait pour lui. Sa femme est en train de prier. Quand la vérité est là, comme ça, c'est dit, ah, c'est bien ça. Elle met sa soeur de tout, mais il est là comme ça. Elle est là, ah, vraiment. Elle est là, elle est là, c'est bien. Elle dit, quoi, est-ce que tu as pour dire, regardez. Et bien, quand le gars dit, Dieu, tu es fort. Tu es fort. Amen. Donc, en vérité, ta prière est montée. Alléluia. Amen. Donc, on va prier pour eux. Que Dieu les utilise puissamment. Amen. Que Dieu les bénisse abondamment. Amen. Amen. Donc, attendez vos mains. Faites-vous face. Voilà. On va prier pour que Dieu étend sa main sur eux. Que Dieu bénisse ce couple-là. Que Dieu fasse qu'il y ait des grâces énormes. Et que Dieu les utilise puissamment à la gloire de son nom. On met la main sur eux, puis on prie. Seigneur, je prie si tu es sûr que tu bénisses ce couple à la grâce de Dieu. Et que tu prie que ce couple soit béni, que ce soit béni. Bénédiction de paix spirituelle tombe sur le couple au nom de Jésus. Et que ce couple-là soit un couple de bénédiction internationale, qui puisse être béni et sous de bénédiction, afin que les nations connaissent Christ au travers d'eux, afin que Jésus-Christ soit prôné au travers d'eux, et que tu permets que chacun soit à son poste, que 1000 tombent à l'un côté, 10 000 à l'autre, que ce couple ne soit jamais atteint. Que tout plan d'ennemis contre ce couple soit voué à l'échec au nom de Jésus. Que toute attaque contre ce couple-là soit voie à l'échec au nom de Jésus. Je déclare que la Seigneur des eaux soit vaincue. Au nom de Jésus. Que tout le monde soit vaincu. Au nom de Jésus. Que tout vide soit vaincu. Au nom de Jésus. Et le prophétise fait que la vie de prière soit intense dans ce couple. Amen. Que la complicité soit intense dans ce couple. Amen. Que l'amour soit intense dans ce couple. Amen. Et que l'éternel Dieu, tu bénis ses enfants. Que Amen. Tous les enfants soient bénis. Amen. Et que tu donnes la victoire aux enfants, la bénédiction aux enfants. Que les enfants soient bénis au nom Amen. De Jésus. Que même qu'ils soient prospères sur le plan professionnel, soient prospères sur le plan financier, soient prospères à tous égards. Amen. Que ta grâce soit attachée à leur vie au Amen. Nom de Jésus. Seigneur, je prie cet esprit. Que tu permets que l'onction de grand serviteur, de grand servant soit sur les vies. Seigneur, Élie était utilisé puissamment. Mais permet que. Il y a des Élysées qui sortent. Amen. Que M. Tau et Mme Tau soient des Élysées. Amen. Afin que l'onction soit toute dans les vies. Amen. Que la grâce soit toute dans les vies. Amen. Seigneur, je les livre en tes mains comme une holocauste en Amen. Et qu'ils soient devant ton autel et que tu les bénisses chaque jour. Que ta volonté s'accomplisse pleinement. Amen.
Permets qu'au travers de l'exemple que je vous montre soit accordé parce que tu montres qu'ils sont gagnants d'âme. Amen. Tu montres qu'ils sont grands gagnants d'âme. Amen. Permets qu'ils soient un couple missionnaire pour la gloire de Dieu. Seigneur, tu montres qu'ils sont utilisés puissamment. Permets que l'Esprit de travaille fortement avec eux. Amen. L'Esprit de travaille fortement avec eux. Permets que la transformation naisse et que tu puisses tout ce qui empêche ta gloire d'exploser en eux. Au et que tu permets qu'ils soient utiles pour ta gloire. Amen. Et bénis de manière extraordinaire. Tout le monde dit Amen. 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 On peut savoir que Dieu bénisse abondamment. C'est la plus grande bénédiction. Et sans ta